Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas trop mal en fait, je dois dire que... oui, ça va. Sundar est là, bonjour Sundar, Stardust est avec nous, avec on espère beaucoup plus de motricité dans les doigts. On pense à vous Stardust et franchement on espère que ça va aller mieux et de toute façon ça va aller mieux. Luciana est avec nous, Yossi est là aussi. Alors attendez, Annie nous dit bonjour aussi. Renato Silva est là aussi. Alors Yossi nous dit, je suggère d'ajouter à notre liste les outils recommandés, à des outils recommandés, l'application Becherel Conjugaison. Ouais, c'est vrai que ce serait pas mal. J'ai fait une pause avec les recommandations parce que je pensais que c'était clair pour tout le monde, mais vous avez raison Yossi, je vais rappeler ça. Omar est avec nous, Victoria Possé est là aussi. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Cassandra est là, Curiosidades, bonjour, bonjour. Cosmina est avec nous, j'espère que vous avez passé une bonne soirée avec votre fils. Hilary est là aussi, Melissa Madrid est là, Ella Dongo est avec nous, Toul est aussi ici. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Annabelle est avec nous aussi. Il doit être tard. Est-ce bien raisonnable, Annabelle? Est-ce que c'est raisonnable? Gloria est là. Beryla 71, bonjour. Sundar aussi, qui nous dit qu'il faut cliquer. C'est gentil, Sundar. C'est vrai, ce serait gentil. Cathy, allô, allô. Coucou. Cherylyn aussi, avec son petit animal préféré. Et Rabi est avec nous aussi. Ben écoutez, on va commencer, si vous voulez bien, dans 7 jours. La semaine prochaine, samedi, eh bien, c'est l'anniversaire. Je ne sais toujours pas ce qu'on va faire, mais en tout cas, ce sera une date probablement... ou pas importante. Allez, on commence si vous voulez bien. Et donc, je vous invite bien sûr à cliquer. Alors, Tanay Shubham nous rejoint. Bonjour, bonjour Tanay. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de cliquer sur le like. Merci. Alors, comme d'habitude, hein, chaque jour, j'essaye, en tout cas, chaque jour ou le plus souvent, j'essaye de vous proposer une chanson. Aujourd'hui, je suis reparti en arrière et je pensais que ça pourrait être intéressant. Si vous aimez le hip-hop, en France, il y a une production de hip-hop assez importante, mais personnellement, je ne suis pas jeune, donc je suis reparti dans mes classiques. Et pour mes classiques, il y a deux groupes qui étaient importants dans les années 80-90. Le premier, c'est NTM, puisqu'effectivement, ils viennent de l'endroit où j'étais à cette époque-là. Donc, le 9-3, comme on dit. Et puis, le deuxième, qui vient de Marseille et qui s'appelle IAM. IAM a fait beaucoup, beaucoup de titres intéressants. Mais je vous recommande, si vous avez l'occasion, d'écouter un titre de 1997, donc qui n'est pas très, très récent, mais assez intéressant, assez bien écrit, ça s'appelle Petit Frère, voilà. Le film du jour, puisque j'essaye de vous proposer aussi un film, ça c'est un film, à mon avis, vraiment bon, ça s'appelle Seul les bêtes. C'est un film de Dominique Moll que je ne connaissais pas avant, mais ce film est vraiment, vraiment très, très intéressant. Je ne veux pas vous en dire trop, je l'ai regardé une fois et je l'ai regardé une deuxième fois parce que je trouvais que c'était assez intéressant. L'histoire est intéressante et la construction du film est vraiment, vraiment, à mon avis, assez originale. Voilà, donc ça c'est mes recommandations pour aujourd'hui. Alors, Mary nous rejoint, bonjour, bonjour. Kurd aussi nous rejoint, Rovita ou Jovita, je ne sais pas. Rovita peut-être si c'est Barcelone. Hein. Chris Mo est là et Corey est là aussi. «
Alors n'oubliez pas que nous avons cette rubrique à vos téléphones. Hein. Pour l'instant, je n'ai rien reçu récemment, donc j'attends un petit peu pour la semaine prochaine. Si vous voulez envoyer des photos, écrire un petit texte, n'hésitez pas à envoyer ces photos, le petit texte en email, et vous m'envoyez ça à vosphotos@fluent2plus.com et je les mettrai dans le cours comme je l'ai fait avant. Voilà. Et aujourd'hui, on attaque avec « C'est comme ça qu'on parle ». Alors, comme vous le savez peut-être, si vous êtes déjà venu, « C'est comme ça qu'on parle », eh bien, c'est la possibilité de découvrir le français familier ou très familier. Encore une fois, faites attention, c'est important de le connaître. Ne l'utilisez pas dans toutes les situations avec toutes les personnes. Faites très, très attention. Regardons la première chose. Et la première chose, eh bien justement, c'est masculin ou féminin, un ou une vioc. Un ou une vioc, eh bien, c'est une personne âgée, une personne d'un certain âge, comme on dit correctement. L'exemple, t'as vu son mec, c'est un vioc, il pourrait être son père. Est-ce que tu as vu son copain, son ami, son fiancé, son amoureux? C'est un vioc, il est vieux, il pourrait être son père. Allez, s'il vous plaît, une petite phrase, une avec un vioc. Alors, je vois que Riena Faire nous rejoint. Bonjour à vous. Participez, s'il vous plaît. Alors, vous êtes 70. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton like. Ce serait très, très gentil. Comme d'habitude, mon objectif personnel, c'est d'arriver aux 100 likes. Merci beaucoup. Allez, Bickert nous rejoint. Alors, je vois Cosmina, mais d'abord, Riena qui dit « Je suis une vioque ». On est tous des vioques. On est tous des vioques. Et c'est bon. Vive les vioques. Cosmina qui dit « Au fil des jours, je me sens de plus en plus vioque ». Et c'est vrai. C'est vrai. C'est incroyable. On passe un cap et après, on a le sentiment que spécialement physiquement, hein, on ne résiste plus comme avant, c'est bizarre. Yossi, ce vioc, n'était même plus capable de manger tout seul. Sundar qui nous dit « Je n'aime pas deviner un vioc ». Qu'est-ce que ça veut dire, Sundar, deviner un vioc? Je ne suis pas sûr de comprendre. Renato, hier, j'ai parlé au téléphone avec une femme vioc. Alors, c'est pas on ne l'utilise pas comme adjectif, hein, Renato. On l'utilise comme substantif, donc avec une vioc, d'accord? Et là, je comprends que c'est une femme qui est âgée. Luciana, j'espère que nous pouvons devenir tous vioc. Eh bien, oui. Eh bien, oui, soyons optimistes. Nous serons tous vioc. Ice Cubes, moi aussi. Moi aussi. Alors, ben, moi aussi. Bonsoir à vous, Ice Cubes. Tafarel, ma mère est une vioc. Bickert qui dit, on doit toujours respecter tous les vioc. Daoud Azaï qui nous dit, c'est vraiment un choc de devenir un vioc. Ah, et puis ça rime, hein, c'est pas mal, ça. Stardust, mes chats sont vioc. D'accord, vous les utilisez comme ça. Cathy, j'habite avec des vioc. Mélissa Madrid, il m'est difficile d'imaginer mon père. Dans 5 ans, il sera un vioc. Curiosidades, le chien du voisin est un vioc. Omar qui nous dit, être un vioc, c'est partie de la vie sans option d'éviter. C'est vrai, hein. C'est là, la route va dans cette direction-là et on sait que
C'est là que ça se passe. Curiosidades, vous l'avez dit, pardon. Vous, Slat, les vioques d'aujourd'hui sont énergiques. Et voilà. Et voilà, ça c'est pour Riena. On est énergique. Et Cosmina, c'est pareil. On est très énergique. Youpi, youpi. Renato qui nous dit une vioque, direct. Ice Cubes. Une personne ne veut pas être une vioque. D'accord. Ah, personne ne veut être vioque. Ah, d'accord, j'ai bien compris maintenant. Kurde qui nous dit « Je ne comprends pas ». Alors, Kurde, c'est en français aujourd'hui. Lundi, c'est en anglais et en français, si vous préférez. David qui nous dit « Je suis vieux comme vous, la bande blanche et les cheveux gris, la barbe blanche ». On est des vieux. Et je dis bravo. Bravo, bravo. Moi, je trouve que c'est bien. C'est la sagesse. On est moins nerveux. On est plus tranquille. C'est beau. On n'oublie pas de cliquer, merci beaucoup. Alors là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant parce que là, regardez, on utilise les vieux. Alors vous allez dire que c'est une obsession. Non, ça n'est pas une obsession. Les vieux, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les vieux, ça veut dire les parents. Et ça, c'est assez intéressant finalement. Donc, quand on lit les vieux en français, familier. Et faites attention, ça peut choquer des personnes. Faites très, très attention. Mais en français familier, les vieux, c'est les parents. D'accord? Alors, regardez. Exemple, je peux pas te voir ce week-end. Je vais aller voir mes vieux. Je ne peux pas te voir ce week-end parce que je vais aller voir mes parents. D'accord? Et donc, ça, c'est vraiment l'utilisation de vieux en français familier. S'il vous plaît, une petite phrase avec les vieux. Alors, faites attention, Joseph. Hein. Joseph pose la question. J'aimerais savoir si le mot vieux est impoli à dire, c'est informal ou impoli. Non, c'est du français familier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'est pas grossier. Clairement, ça n'est pas grossier ou impoli, mais il faut savoir vraiment, vraiment quand utiliser. Joseph, faites très attention avec les registres de langue. Il est toujours préférable d'être trop poli que le contraire. Adaptez-vous, mais vous commencez à être très poli. Vous utilisez la forme « vous », vous utilisez toutes les formes correctes. Et après, vous pouvez vous adapter en fonction des personnes. Ça, c'est la clé. Alors, Seyessero qui commence. Les vieux ne comprennent pas tous les problèmes des jeunes. D'accord. Curiosidades qui dit « Les vieux de ma copine sont mes beaux-parents ». Tout à fait, Riena, mes vieux sont morts. Luciana, mes vieux me manquent beaucoup. Devanchi qui nous dit « Je prends le petit déjeuner avec mes vieux hein, ». Vous pouvez mettre le possessif. Yossi qui nous dit « Ce sont mes vieux qui m'ont payé mes études ». Très bien écrit. Ice Cubes, mes vieux ont été finalement vaccinés. Youpi Ice Cube, ça c'est formidable, tant mieux pour eux. Et nous, on attend, mais c'est bien que vos vieux soient vaccinés. Hillary qui nous dit les vieux, nous vieux, c'est vrai. Et c'est vrai, Hillary, je dis bravo, bravo. Bickert, les vieux veulent toujours ce qui est mieux pour nous, oui. Cosmina, ah d'accord, alors attendez, Cosmina qui dit « Dans quelques années, le mot vioc pour me caractériser pourrait être un euphémisme, d'accord ?» Je ne sais pas, discute avec Yossi, hein. ça discute. Kurde qui nous dit « Je vis avec mes vieux, est-ce que c'est correct ?» Alors, mon vieux, ça va être mon père, ma vieille, ma mère, mes vieux, pluriel, mes parents.
Omar, les vieux, c'est la même expression en Colombie pour parler de nos parents, d'accord ? Cathy qui dit, ici, au Pérou, on appelle aussi nos parents les vieux en langage familier. Il faut faire attention, hein, en espagnol bien sûr. Ouais. J'imagine que c'est la même chose, familier, il faut faire attention, ça peut choquer certaines personnes. Curiosidades, quelle est la différence de prononciation entre brun et brun ? Ça dépend, ça, curiosidades, je vais faire une petite minute après, d'accord ? Ça dépend d'où vous venez. Si vous êtes français, de quelle région, ou si vous êtes francophone, ça dépend. Toul, mes vieux sont gentils, ils me manquent trop. Yann Arte, je voudrais faire des vacances, ou je voudrais prendre des vacances et rendre visite à mes vieux. Vichante, j'habite avec mes vieux. David qui nous dit en Algérie, ou David, on dit aussi le vieux, ça veut dire mon père. C'est la même chose, ouais. Sundar, quand j'étais à l'étranger, mes vieux m'ont beaucoup manqué. Eh ben oui. Renato, mes vieux sont déjà décédés. Cassandra, je veux visiter mes vieux, je veux rendre visite à mes vieux au Vietnam quand le Covid ne sera plus aussi intense. Bah oui. Victoria Posse, je me souviens beaucoup de mes vieux. Stardust, me manquaient mes vieux. Est-ce que c'est mes vieux me manquent peut-être, hein, faites attention. Annabelle qui nous dit, les vieux doivent être honoré, et ça c'est vrai. Vous, Slat, mes vieux sont très généreux. Et Renato, pourquoi je suis toute seule sur le chat? Mais vous n'êtes pas tous. Ah non, il y a d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui participent. Peut-être un problème technique, rafraîchissez la page. Alors, juste avant de changer, Curiosidades qui posait la question, la différence entre brun et brun. Si vous allez... Je fais rapidement parce que c'est un sujet très long. Si vous allez, par exemple, au Canada, on fait clairement, pour les Québécois, la différence entre brun, qui est beaucoup plus comme ça, brun et brun, qui est un petit peu plus profond. Si vous allez en France, en général, on ne fait plus la différence maintenant entre brun et brun. Mais après, ça dépend des générations, ça dépend des régions. Mais logiquement, la différence entre un et un a presque disparu. Mais il y a toujours des exemples qui prouvent le contraire. Mais c'est la tendance. Voilà Curiosidades. Alors, la dernière chose, eh bien, c'est un classique et c'est Walou. Walou, qu'est-ce que ça veut dire ? Walou, ça veut dire rien. Rien, c'est Walou. Alors, regardons ensemble. Exemple, elle veut faire plein de trucs, mais au final, elle fait Walou. Elle veut faire plein de choses, mais finalement, elle ne fait rien. L'expression « walou » veut dire « rien ». Elle ne fait rien, elle fait « walou ». Regardez, écrivez-moi une phrase, s'il vous plaît, avec « walou ». Allez-y. Voilà, c'est plus adapté pour, pour vous motiver à écrire. Alors, c'est Yossi qui commence, et ça, c'est intéressant, Yossi, parce qu'effectivement, Yossi est un puriste. Mais en fait, Yossi, quand on utilise « walou » à la place de « rien », c'est-à-dire que, bien sûr, on ne va pas utiliser le « ne »
puisque c'est du français parlé. D'accord, c'est du français familier. Donc, vous allez dire « je vois Walou sans mes lunettes ».« Je ne vois rien sans mes lunettes » se transforme en « je vois Walou sans mes lunettes ». Kurd qui nous dit « j'ai fait Walou Matona que... ». Luciana, est-ce que je peux dire de Walou? De rien. Non, mais c'est intéressant, Luciana. Pourquoi pas essayer de Walou? Je vous en prie, de Walou. Ce sera intéressant. Alors, Riena, connaissez-vous l'étymologie du mot Walou? Non, je ne la connais pas. Sundar, j'ai fait Walou de spécial aujourd'hui, oui. Yesero, hier j'ai planifié de faire le plein de choses, mais dans la soirée j'ai fait Walou. Eh ben voilà. Vouslat, il y a un examen demain, mais il fait Walou. D'accord. Renato, j'ai Walou à dire. Eh oui. Mais c'est vraiment sympathique de vous lire. Hilary, j'ai compris Walou. Effectivement. Victoria Possé, quelques jours, je n'ai pas envie de faire Walou. D'accord. Pendant quelques jours ou il y a quelques jours, je ne sais pas. Omar, je ne veux pas faire Walou demain. Oui, je veux faire Walou demain, je veux rien faire. Cosmina, ceux à qui les vieux sont vivants ne sont pas encore abandonnés. Ceux à qui les vieux sont vivants ou ont encore un passé, poème pour les parents. D'accord, très bien. Stardust, Walou arabique, c'est peut-être, ça, peut-être que ça vient de l'arabe, c'est possible, hein. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui viennent de l'arabe, et des fois c'est de l'arabe et après on fait du verlan de l'arabe, c'est possible. Julia qui nous dit j'ai mangé Walou aujourd'hui, d'accord. Rita qui nous dit Rita, salutations de Finlande. Eh bien Rita, tervetuloa. Ice Cubes, j'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui mais je sens que j'ai fait Walou. Eh oui. Joseph qui nous dit j'ai Walou à dire. Alors c'est bien. Annabelle, tu me dois Walou, ça c'est pas mal aussi. Vichante, ce jour-là je voulais te dire beaucoup de trucs mais j'ai dit Walou. Curiosidades, lorsque vous pensez que vous faites Walou, vous faites réellement quelque chose. Parce que lorsque vous pensez que vous ne faites Walou, tu vas faire quelque chose. D'accord. Stardust, je dis Walou. D'accord, c'est possible. Habibi qui nous dit que, eh bien, Walou, c'est un mot arabe. Et c'est possible. C'est possible. Il y a beaucoup de mots qui arrivent de l'arabe, bien sûr, en français. Donc, très bien. Merci, Habibi, pour nous préciser ça. David qui dit... Alors, attendez. Qu'est-ce que ça veut dire un vieux sage ? Je ne sais pas. Yossi, Vincent, est-ce que c'est possible de changer le fond du texte en noir et blanc comme hier? Je vais le faire. Je vais le faire. J'avais commencé à changer, mais bon, j'avais gardé ça. Je vais le changer, ne vous inquiétez pas. Allez, merci beaucoup en tout cas. Alors encore une fois, n'oubliez pas que si vous venez d'arriver, regardez, les vaches sont là pour vous rappeler qu'il faut cliquer. Il faut cliquer sur like, merci beaucoup. Alors, comme d'habitude, le mot... Alors, c'est pas le mot du jour, parce que là, nous sommes samedi et nous pouvons nous retourner sur cette semaine qui s'est passée. Et ce serait intéressant de savoir, eh bien, quel mot, pour vous, pourrait décrire votre semaine. La semaine qui vient de se passer, enfin, qui est toujours en cours, comment est-ce que vous pourriez la qualifier en un seul mot? Allez-y.
Allez, ça commence, c'est Cosmina qui ouvre le bal, comme on dit, et qui nous dit « zioté ». Il est pas mal, zioté. Zioté, moi j'aime bien. J'aime bien zioté. Yulia qui nous dit « printemps ». Rita qui dit « j'utilise toujours un traducteur ». J'ai reçu, alors apprenez vos vidéos, je n'ai trouvé que cet agneau ici. Merci d'être doué pour enseigner. Rita, pas de problème, je vous en prie. C'est préférable de parler en français, je pense. Stardust qui nous dit ensoleillement. Sundar qui nous dit confondre. Curiosidades qui nous dit spectaculaire. Yanarte qui nous dit bailler. Et ça, c'est formidable. Bailler. Joseph qui nous dit paresseuse. Il y a un côté sympathique quand même. Une semaine paresseuse, elle peut être très agréable. Luciana qui nous dit injustice. Ça, c'est une notion intéressante, l'injustice. J'espère, Luciana, que tout va bien pour vous en tout cas. Parce que ça, c'est pas un sentiment très, très agréable. Vouslat, neige, eh oui. Victoria Jacques, oh, elle est là, Victoria Jacques, je ne l'avais pas vue. Je ne l'avais pas vue, je pensais qu'elle dormait, parce que c'est le week-end, Victoria Jacques, il faut dormir. Épuisante, ben voilà, il faut dormir. Omar qui nous dit récupération. Victoria Possé qui nous dit régulier. Et ça, c'est pas mal, une semaine régulière, finalement. Hillary qui nous dit gratitude. Cassandra qui nous dit calme. Vichante qui nous dit génial, ça c'est pas mal. Annabelle qui nous dit maîtrise de soi. Ça, c'est bien. Je pense que c'est une bonne chose de se maîtriser. Parfois, c'est difficile. Cathy qui nous dit « occupé ». Yossi qui nous dit « froid ». Ah ben oui, il faut mettre Yossi, hein. Hop, un petit bonnet, des gants et après, la vie est belle. Toul, panique. Ah ça, c'est pas sympathique, ça. Mélissa Madrid, encombrant. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est des mots mystérieux, ça, quand même. Hein. Renato qui nous dit maladie. Non, il faut prendre des médicaments, dormir, boire de l'eau. Hein. Cheryline qui nous dit mentorat. Ah, très bien, très bien. Yessero qui nous dit attendre. David Ben qui dit que les Algériens et les Marocains disent walou. Très bien. Et je dois dire que les Algériens et les Marocains, on doit les respecter parce que, David, parce que le couscous, c'est quand même quelque chose de formidable. Ah oui, rien que pour ça, on doit les respecter. Rihanna qui nous dit nettoyage. Kyot qui nous dit pas de travail. Très bien, merci beaucoup. Alors, la question du jour, et c'est une question, je me suis dit, tiens, pourquoi pas leur demander? Pourquoi pas leur demander? Il y a des personnes qui changent de prénom. Il y a des personnes qui utilisent un autre prénom que le leur. Alors, je ne sais pas, moi, j'ai toujours utilisé mon prénom, mais après, on est tous libres, et ça, c'est une belle chose. Question, aimez-vous votre prénom et pourquoi? Allez-y. Alors, n'oubliez pas que si vous venez d'arriver, hop, cliquez sur le like. Nous essayons d'arriver aux 100 likes. Ça peut être difficile parfois, mais en général, on y arrive.
Alors, Luciana, qui est la première à répondre et qui dit « Oui, j'aime mon prénom puisque le mot vient de lumière ». Bah, écoutez, c'est formidable. Alors, Yesero qui nous dit « Quand j'étais jeune, je n'aimais pas mon prénom, mais maintenant, je l'aime bien ». Rihanna qui nous dit « J'aime mon nom, c'est facile à épeler ». Collie House qui dit « Non, je suis un homme, mais mon prénom est féminin ». Emre qui nous dit « Oui, parce que je me suis habitué à mon prénom et je ne considère pas le changer ». Victoria qui dit « J'aime beaucoup mon prénom car il vient d'une tradition familiale ». Yossi qui dit « Oui, j'aime mon prénom ». Mon prénom est Joseph en anglais ou en français aussi, on a beaucoup de Joseph. Renato, oui, parce que mon nom de renaissance signifie « retourner à la naissance ». Ah, très bien, c'est ça, c'est pas mal. Toul qui nous dit « J'aime le prénom Anna parce qu'il est prononcé facilement ». Victoria qui dit « Mais bien sûr !» Et cela a une grande signification. C'est la victoire. Victoire la victoire contre la fatigue. La victoire contre la fatigue. Vouslat, oui, j'aime mon prénom car c'est un prénom rare et il vient de la littérature. Stardust qui dit « Non, je n'aime pas mon prénom mais j'aime bien mon deuxième prénom. » Curiosidades qui dit « J'aime mon prénom Christian. » Car c'est ce qui m'identifie en tant que personne. Le nom représente qui nous sommes et nous devrions nous sentir fiers. Annabelle qui nous dit « Oui, parce que c'est simple ». Bébé Moette qui dit « Oui, je l'aime parce que c'est le nom d'une vedette ». Joseph qui nous dit « Oui, j'aime mon prénom, j'aime beaucoup mon prénom parce que je peux m'appeler Joseph, Joe ou Joey ». Eh oui, ou en France, Jojo. C'est possible. Sundar, oui, j'aime mon nom parce que mon prénom est un peu différent à prononcer. Cassandra qui dit « Oui, j'aime mon prénom parce que mes vieux m'ont donné ce prénom ». Kurt qui nous dit « Oui, j'aime mon prénom qui est Nasser, c'est un prénom mondial ». Habibi qui dit « Qu'est-ce que grimace ?» Alors ça, je ne sais pas. Alors Habibi, je ne sais pas quel est le sens de votre question. Je ne peux pas y répondre. Omar qui nous dit « Oui, Omar, c'est mon prénom, un prénom d'origine arabe, oui. Je n'ai pas de famille arabe, mais j'ai un visage qui semble à une personne arabe et j'aime mon prénom. » Omar, c'est très très chouette comme nom, je trouve. Très court, très facile, vraiment sympathique et très chantant. Cheryline, oui, j'adore mon prénom, je trouve que c'est très féminin. Et joli, j'en ai souvent reçu des compliments. En plus, c'est dérivé de chérie, qui a une belle signification. Ah bah oui, Cosmina qui dit « Oui, j'aime mon prénom, parce qu'il est, c'est un vieux nom roumain, avec une résonance historique. Dans les bois de Cosmine, j'imagine, ou Cosmin, mais Cosmine, je suppose, mes ancêtres sont réputés... Ah non, on réputait une importante victoire militaire. Et en plus, mon deuxième prénom est Victoria. Ah, c'est la victoire absolue avec Cosmina. Hilary qui dit « Oui, j'aime mon prénom parce que j'aime le son, la sonorité ». Mélissa Madrid qui nous dit « Oui, alors j'aime mon prénom parce que mes parents m'ont raconté une histoire très drôle autour de lui ». Ça, c'est sympa aussi. Quand il y a une histoire autour du prénom, c'est vraiment, vraiment sympathique. Et Edinax qui dit « Ce qui me plaît, c'est le fait que mon prénom est assez rare ». Eda, salut d'Istanbul, bonjour et bienvenue dans le cours. N'oubliez pas de cliquer, merci. Allez, vous savez que nous devons toujours passer par les nombres. C'est un classique, on va le faire rapidement parce que nous sommes à un niveau avancé. Niveau avancé, ça veut dire que je ne lis les nombres qu'une seule fois.
D'accord, j'imagine que vous êtes prêt. Alors attendez une petite seconde, comme d'habitude, je dois me préparer. Voilà. Et c'est vrai que Yossi avait une bonne proposition. Je vais peut-être tout basculer en noir. Pourquoi pas? Pourquoi pas tout basculer en noir? On va voir. Alors, on y va. Le premier, c'est simple, c'est 2. Écrivez-le. Alors oui, on est d'accord que là, bon ben oui, mais il faut commencer. Il faut commencer avec un chiffre. Celui-là, il est facile. C'est l'apéritif. C'est l'apéritif, c'est la mise en bouche, comme on dit. Le deuxième, eh bien, comme d'habitude, vous aurez deux chiffres. Allez, j'espère que vous êtes prêts. 13. Alors oui, ça semble tout à fait correct, pas de problème. Quelle rapidité, quelle efficacité, je dis bravo. Troisième, trois chiffres bien sûr. Attention, 318. Alors, pour l'instant, je regarde, je dis que tout est parfait, c'est formidable, 318, pas de problème. Hein, si je ne dis rien, on avance, hein, c'est pas la peine de perdre du temps là-dessus. Quatrième, bien sûr, quatre chiffres, et nous continuons, attention, 9121. Allez-y. Eh bien écoutez, là c'est pareil, hein, formidable, 9121, ben, pas de problème, hein, tout est parfait, tout ce que je vois c'est bien. Donc on continue, cinquième, donc bien évidemment 5 chiffres, même chose, une seule lecture, 30618. Alors Yossi, faites attention, précipitation n'est pas toujours synonyme de correction. Faites attention, je me demande Yossi, est-ce que c'est la... Il y avait quelque chose comme ça qui était arrivé déjà, c'était pas avec 13 et 30, c'était avec un autre. Faites bien attention, hein. Ici c'était 30, hein, on est d'accord, ça n'est pas 13. Kurt, vous avez fait la même erreur, c'est classique, ne vous inquiétez pas, on va répéter toutes ces choses-là et ça ira bien après. Donc 30 ici, hein, c'était 30 618. On continue, 6, ça veut dire qu'on aura effectivement
6 chiffres et on y va. Attention, attention. 111 862. Alors, pour le moment, ce que je vois, c'est bien, effectivement. Donc, 111, hein, première partie, donc 1000. Et puis après, 862. 111 862. Et on va terminer, bien sûr, avec, eh bien, voilà, celui-là, celui qui peut-être nous fait peur, je ne sais pas. Puisque c'est un niveau avancé, soyons honnêtes, je ne vais le lire qu'une seule fois. D'accord ? Si vous faites des erreurs, ça n'est pas grave. C'est ça l'idée. Faites des erreurs, faites des erreurs. Et puis, après, vous allez vous améliorer. Attention, attention. 3 412 054. Allez-y. Alors, Cosmina est en première position avec cette fameuse expression. Cosmina, elle n'est pas venue là pour enfiler des perles, elle est venue là pour travailler. Et je dis bravo. Alors, regardons. Alors, Albouga qui a eu un petit peu de difficulté sur la fin, c'est pas grave. Gloria, au début, c'est pas grave. Ne nous inquiétons pas. Cassandra, au début, c'est pas mal. Regardons ensemble. 3 millions... Ça, c'était clair, je pense, pour la plupart. Okay. Ensuite, 412 000. 412 000. 3 412 000. Et finalement, je dis 54, donc je ne prononce pas le 0. 3 412 000 54. 4. Voilà, en tout cas je dis bravo, parce que franchement c'était pas facile, mais de toute façon, si vous faites des erreurs, c'est pas grave, on va continuer chaque jour, je vais vous traumatiser avec les nombres. Cosmina, je travaille dans des conditions de stress. Les amis de mon fils sont venus chez lui musiquer. Ah ça, j'ai connu cette période-là avec ma fille. Maintenant, Nicolas a 11 ans, c'est plus calme pour le moment. C'est pas le même stress, mais j'ai connu ça. C'est sympathique, hein. Allez, la meilleure méthode. Oh, Albouga qui dit c'est vraiment traumatisant. Mais non, Albouga. Non, Albouga. Albouga, on fait des erreurs et ça, c'est normal. C'est normal. On essaye, on essaye, on essaye. Albouga, on va y arriver. Et c'est ça qui est sympa. La meilleure méthode. La meilleure méthode, à votre avis, quelle est la meilleure méthode pour profiter de la vie? Quelle est la meilleure méthode pour profiter de la vie? Allez-y.
Alors, c'est Emre qui commence et qui nous dit que, eh bien, finalement, la meilleure méthode pour profiter pleinement de la vie, c'est d'être ouvert et de s'adapter à tous les cas facilement. Sundar Kini, tu peux aussi jouer du hip-hop. Ah oui, mais Sundar, j'ai des périodes. Hein, et là, aujourd'hui, eh bien, c'était un petit peu comme ça. Il y a des périodes classiques, il y a des périodes un petit peu plus électroniques. Là, c'est... oui, mais je pourrais faire du... Je vais vous mettre du hip-hop, Sundar, pas de problème. Albouga, c'est d'embrasser la diversité de la vie. C'est l'épice de la vie. Et je dois dire que, Albouga... C'est notre philosophe, c'est le philosophe du jour, Albouga, merci beaucoup. Renato, vivre et profiter de chaque minute de notre vie, c'est vrai. Bicot, je pense que vivre le moment et ne pas se stresser. Yossi qui nous dit, la meilleure méthode pour profiter de la vie, c'est d'être heureux et ne pas tout prendre au sérieux. Luciana, en théorie, c'est vivre chaque jour comme si ça pouvait être le dernier. Kurt qui nous dit, eh bien, c'est difficile à dire. Sundar qui dit, c'est de devenir heureux, c'est suffisant. Ah oui, c'est difficile. le bonheur, il y a des livres entiers, Sundar, sur le bonheur. Comment atteindre le bonheur? C'est pas simple. Omar qui nous dit « La meilleure méthode pour profiter de la vie, c'est de profiter de tout ce que nous tenons et d'avoir des rêves. » Stardust, « La meilleure méthode est de tout prendre comme il vient et d'accepter les choses. » Bon, Stardust, on est d'accord, des fois c'est difficile. Sur le papier, c'est clair. Dans la réalité, c'est un petit peu plus complexe parfois. Hilary qui nous dit, pour profiter de la vie, on peut bavarder, échanger avec ses amis. Annabelle qui nous dit, voir la vie dans son ensemble, mais faire les détails un jour à la fois. Très bien. Cosmina qui nous dit, c'est difficile de profiter de la vie quand tu es une personne dédiée à la famille, aux enfants, aux parents et au métier. Yesero qui nous dit, à mon avis, la meilleure méthode pour profiter de la vie, c'est d'être ouvert aux nouvelles expériences. Ça, c'est vrai, oui. Alors, Cosmina continue. Mais pour moi, un peu de tranquillité, du temps quand j'ai fait quelque chose qui me plaît, d'accord? Et pas la musique des jeunes qui sont juste à côté de vous. Curiosidades, la meilleure façon de profiter de la vie est de faire quelque chose qui nous passionne et qui, en même temps, nous aide... Qu'est-ce que vous voulez dire? Qui, en même temps, nous pouvons aider l'humanité. Ah, qui nous donne la possibilité d'aider les autres, peut-être. Si nous avons des objectifs, notre vie a du sens. Ça, c'est vrai. Ça, je suis d'accord. Si nous avons des objectifs, ou des rêves, ou des... Oui, notre vie a du sens. Mélissa qui nous dit, rire de ses propres erreurs. Ah oui, ça, c'est formidable. En théorie, et après les faits, ça marche très bien. Ah oui, ah oui, oui. Moi, je suis d'accord, Mélissa. Les erreurs, on fait des erreurs et c'est bien. Et c'est bien, il faut rire parce que c'est comme ça qu'on avance. Yann, la meilleure méthode pour profiter de la vie est qu'il faut faire un bon travail et se faire plaisir. Vouslat qui nous dit, la meilleure méthode pour profiter de la vie est de ne pas être soucieux et de sortir pour voir ses amis. Cassandra qui nous dit, à mon avis, nous devons juste penser que tout est simple. Oui. Ah, c'est comme Stardust, hein. Sur le papier c'est possible, dans la réalité c'est complexe. Cherylyn crée de la satire à partir de l'adversité et des folies. Donc prendre, vous voulez dire prendre de la distance d'une certaine façon et rire de ces choses là merci beaucoup en tout cas, merci. Allez, n'oubliez pas de cliquer. Si vous êtes arrivé, que vous n'avez pas encore cliqué sur like, c'est le moment ou jamais. J'ai mon objectif, c'est 100, ça va être un petit peu difficile. Ça va être ric-rac, comme on dit, mais on essaye.
Alors, la salade idéale, eh bien oui, parce que nous ne parlons pas que de choses philosophiques. La salade idéale, à votre avis, quels sont les trois ingrédients indispensables pour faire une salade parfaite? Trois ingrédients que vous considérez comme indispensables pour faire une salade parfaite. Allez-y. Alors je regarde, hein, parce que ça commence à arriver, et je vois que c'est Yossi qui nous dit « concombre, tomate et oignon ». Vouslat qui nous dit « tomate, concombre et carotte ». Joseph qui nous dit « un peu d'huile d'olive, de la laitue et des concombres ». Yossi qui corrige avec « concombre ». Ne vous inquiétez pas, j'avais corrigé phonétiquement, Yossi. Albouga qui nous dit « de la laitue, de la tomate et du concombre ». C'est souvent les mêmes hein, pour l'instant, c'est intéressant. Attention, Cosmina qui arrive, les trois ingrédients indispensables pour faire une salade parfaite sont de la salade verte, du sel et du vinaigre. Alors là, Cosmina, on peut discuter, parce que vinaigre, il y a quand même beaucoup de vinaigres différents. Est-ce que c'est du normal, vinaigre de vin rouge pour les Français, vinaigre de vin blanc, vinaigre balsamique, il y a du vinaigre de pomme, il y a des choses très très variées avec les vinaigres, et ça c'est intéressant d'ailleurs. Amatoula qui nous dit fromage, donc du mozzarella, de la tomate et de la salade. Oh ouais, ça c'est pas mal, avec une petite sauce quand même, non? Curiosidades, brocoli, mayonnaise et poulet. Qu'est-ce que c'est que ça? Mayonnaise? Est-ce que la mayonnaise, curiosidades, parce que pour les Français, la mayonnaise, c'est vraiment quelque chose de spécial, et dans d'autres pays, on utilise le mot mayonnaise, et c'est un petit peu, c'est très approximatif. Hein. Stardust, cornichon, ah ouais. Tomate, radis, pas mal les radis. Les radis, ça met un petit peu de peps, avocat, délicieux. Sundar, tomate, concombre, carotte, délicieux aussi. Mélissa Madrid qui nous dit courgette, ah ça c'est intéressant, des grains de sésame, ça c'est pas mal quand on met des grains de sésame dans une salade, citron et sel, pas mal du tout. Victoria Possé qui nous dit huile, sel et tomate. Ça c'est vrai, la tomate c'est quelque chose d'incroyable parce que c'est vraiment délicieux comme ça. Bickert, des légumes frais, du citron et de la graisse. Qu'est-ce que vous voulez dire, Bickert, avec la graisse? Est-ce que vous voulez dire de l'huile d'olive? Qu'est-ce que vous voulez dire? Hilary qui nous dit des crevettes, pas mal, du fromage, ouais, et des tomates, d'accord. Omar, une salade parfaite à des tomates, de la laitue et une bonne vinaigrette. Ça, je suis la vinaigrette, ouais. Si vous préparez vous-même la vinaigrette, on peut faire des variations, c'est sympa. Toul, tomate, concombre, mozzarella. C'est vrai que la mozzarella, c'est pas mal pour ça. Edina qui nous dit avocat, une sauce à la moutarde. Alors, si c'est une sauce moutarde, c'est-à-dire vinaigrette avec de la moutarde, je dis d'accord. Et de la laitue, ouais. Cosmina, vinaigre balsamique. Ouais, c'est pas mal ça. Et en plus, on peut faire une petite déco, c'est pas mal du tout. Victoria Jacques, attention. Victoria Jacques, c'est la spécialiste des mises en place. Victoria Jacques, elle a pris des photos. Quand elle cuisine, c'est magnifique. Victoria Jacques nous dit du fromage, de l'avocat
et oignon. Oui, mais Victoria, oignon, oignon blanc, oignon jaune, oignon, oignon rouge. Quel type d'oignon? Quel type d'oignon? Luciana, de cresson, roquette, banane. Oh, ça c'est intéressant. J'ai jamais testé, Luciana, je n'ai jamais testé une salade avec des bananes, mais peut-être que je devrais tester. Banane, ça c'est intéressant. Chériline, roquette, menthe, basilic. Très bien, entre autres ingrédients bien sûr. Rihanna, salade parfaite, laitue, tomate, concombre, vous en mettez plus, hein. Oignon, ah ouais, olive, oh, et feta. Feta, ah oui. Feta, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah, ça, la feta, c'est... On a envie d'en manger. Yann Arte. Vinaigre, poivre, huile d'olive. C'est vrai que c'est bien, mais peut-être quelques légumes quand même. Peut-être quelques légumes. Cassandra, à mon avis, c'est l'huile d'olive, la tomate et feta, oui. Annabelle, betterave. Ça, c'est intéressant, la betterave. La betterave, c'est vrai que ça n'est pas très populaire, mais c'est très intéressant. Calmar grillé. Oh, poire pochée. Alors là, Annabelle, poire pochée dans une... Ça doit être intéressant. Qu'est-ce que vous mettez avec? Parce que ça, ce serait intéressant. Betterave, calamar grillé, calamar, c'est formidable. Poire pochée, c'est délicieux. Tout ça, mais avec quoi? Gloria, vinaigre balsamique, concombre, légumes verts et une pincée de poivre. Quel poivre? Poivre noir, poivre gris, poivre vert. Il y a tellement de poivre, c'est incroyable. Ensuite, Clétino qui dit concombre et tomate. Et c'est vrai que c'est simple. Renato, carotte, brocoli, asperge. Oh, les asperges, c'est formidable ça. Huile d'olive et citron. Oh, j'ai faim. Maintenant, j'ai faim et ça, c'est pas bien. Victoria, Jacques, on est d'accord, hein. Oignon rouge, pour une salade, c'est quand même ce qui se fait de mieux, hein. Allez, cherchons un mot, si vous voulez bien. Bon, on l'a fait plusieurs fois, ça, donc logiquement, il n'y a pas trop de problème. On y va, premier mot. Donnez-moi un mot qui commence avec un B. Alors, Luciana qui vient de me faire découvrir cette notion de banane dans les salades. Luciana, je vais tester. Sérieusement, je vais tester parce que ça m'intéresse, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais testé encore. Merci beaucoup. Alors, on attaque directement Cosmina la bigorexie, Sundar qui nous dit bonjour, eh ben ouais, c'est pas mal, Yann Arte qui copie, bonjour, très populaire, Curiosidades, un bateau, Emre qui nous donne le verbe briser, Clétino qui nous dit ballot, qu'est-ce que c'est ballot? Ballot dans le sens, ah c'est ballot, c'est embêtant? Possible, mais c'est du français parlé, hein. Renato qui nous dit une bagnole, attention, français parlé, hein. Une voiture, une bagnole, Bicot, bruit, oui masculin, un bruit, Yossi, un bâtiment, Cassandra qui nous dit un bébé, Ice Cubes qui nous dit bête, alors bête c'est très intéressant Ice Cubes parce qu'on peut l'utiliser comme substantif, une bête c'est un peu comme un animal, mais on peut l'utiliser comme adjectif qui est synonyme de stupide, il est bête, elle est bête, il est stupide, donc vous pouvez choisir une bête, un animal, et l'adjectif. Hillary qui nous dit un bateau. Luciana, une banane. Stardust, une bière. Ah bah oui, féminin. Bière blanche, bière blonde, bière brune, bière rousse. Il y en a tellement. Sundar qui... Ah d'accord. Edinax qui nous dit la banlieue. Ouais.
Omar qui nous dit balance, une balance féminin. Victoria qui nous dit boire, boire du vin. La différence, Victoria, entre vous et moi, c'est que moi, c'est l'heure de boire du vin. À la vôtre, Victoria Jacques. N70, bouleversé. Mélissa Madrid, bavarde. Très bien. Intéressant, c'est l'adjectif. Si on l'utilise comme adjectif, bavarde, masculin bavard sans le E, et on peut l'utiliser comme substantif. Un bavard, une bavarde. D'accord ? Pour votre information. Riena, une brioche. Gloria, un balcon. Albouga, un bouffon. Ah ben oui. Cheryline, un biomarqueur. Ah, une bio... Non, Cheryline. Est-ce que c'est féminin ? Une biomarqueur ? Recherchez, parce que personnellement, je dirais un biomarqueur, mais peut-être que, et c'est dans votre domaine, je vous fais confiance. Clétino qui dit banque, une banque et bonsoir. Stella qui nous dit bonjour. Hein, c'est adapté. Albouga Brico, d'accord. Bon, écoutez, on continue parce que j'ai l'impression que tout le monde... Oui, n'en mettez qu'un, s'il vous plaît. Un seul, parce que sinon, ça va durer des heures. Merci beaucoup. Alors, oh oui, effectivement, merci beaucoup. Merci beaucoup de me le rappeler. Ça y est, nous avons dépassé le cap des 100 likes. C'est quand même nécessaire de cliquer si vous arrivez, mais là, c'est une formalité maintenant. Ça y est, je suis un homme heureux. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi un mot qui commence avec A. Alors j'aime bien parce que Stardust commence à me donner de la bière forte bavaroise et blanche. Ah, je suis pas un spécialiste. Alors je ne suis... Qu'est-ce que c'est la bière forte bavaroise ? C'est une bière qui est plus sombre peut-être, je ne sais pas. Alors on attaque directement. Qui est-ce qui... Attendez, Yann qui dit un ami, d'accord. Yossi qui dit une amende. Anour nous dit Cosmina. Ice Cubes qui dit une arnaque. Eh oui, effectivement. Alors Ice Cubes, j'ai parlé au début du cours d'un film et le film parle d'une arnaque. Et si ça vous intéresse, regardez-le. Il est vraiment sympa. Luciana, anniversaire. Curiosidades, aimé. Voilà une personne romantique. Je dis bravo. Stardust qui dit amoureuse. Aimeré qui dit un animal. Renato qui nous dit augmenter. Verbe du premier groupe. Edinax qui nous dit une abeille. Je donne le genre, c'est féminin. Stella qui nous dit apprendre, apprécier, aimer. Mélissa qui nous dit amateur, masculin. Omar, une amande, effectivement, celle qu'on mange. Pourquoi vous avez enlevé ? Non, c'est bien. Omar, amande, phonétiquement, on a deux orthographes possibles. Hein. L'amande qu'on mange, que vous aviez écrit, et l'amande avec un E, que vous devez payer si vous faites une infraction. Annabelle Aioli. Oh, l'Aioli, Annabelle, ça c'est formidable. Alors, c'est des millions de calories, mais c'est délicieux. L'Aioli, c'est fou, c'est délicieux. Anna Kobi qui nous dit un arbre. Stella qui nous dit l'amour. Vous, Slat, une betterave, on en a parlé. N70 qui nous dit ancien. Hillary, actif. Active, très bien. Toul qui nous dit accordéon. Yesero qui nous dit abeille. Cosmina qui nous dit biomarqueur, c'est masculin. J'avais un petit sentiment personnel que c'était masculin. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Surtout les heures, il faut faire assez attention parce qu'on a le sentiment que les heures, souvent c'est masculin, mais on a beaucoup de choses. Tout ce qui est relié aux dimensions, la hauteur, la largeur, la longueur, tout ça c'est féminin. Donc c'est possible d'avoir des heures féminins. Mais comme marqueur c'est masculin, biomarqueur j'imaginais que c'était masculin. Allez, cherchez-moi un mot qui commence avec F, s'il vous plaît.
Alors, Victoria nous avait proposé artichaut, Victoria. Victoria, vous aviez dit artichaut pour les mots en A. Et Victoria, je dois dire... Victoria Possé, j'adore les artichauts. Les artichauts, c'est formidable. C'est délicieux, c'est incroyable, c'est simple à préparer. Juste, vous le faites cuire et après, une petite sauce vinaigrette ou une petite sauce moutarde. Oh, ça, c'est délicieux. L'artichaut, c'est incroyable. Alors, on attaque avec Cosmina qui nous dit fustiger, Renato finir, Luciana fêter, Emre qui nous dit le français. Il y a aussi une fenêtre, très bien, avec l'accent circonflexe, merci beaucoup. Ce qui est intéressant, il y a aussi, c'est que, vous savez, il y... Alors, c'est un petit peu étrange, mais l'idée du circonflexe, comme j'ai expliqué, il y a aussi, c'est que avant il y avait un S. Donc, avant, on disait fenêtre. Et il existe... Le verbe, et qui malheureusement n'est pas un verbe très joyeux, mais si vous sautez par la fenêtre, le verbe c'est défenestrer, et là le S est toujours présent. Donc ça c'est vraiment intéressant. Pour le substantif, le S a été remplacé par le circonflexe, mais pour le verbe, bizarrement, le S est toujours là. C'est comme ça. Stella qui nous dit forte, Cassandra fumée, Mélissa Madrid fiabilité féminin, Hen 70 un adverbe franchement c'est bien ouais. Toul une fête, curiosidades faire, Bickert la fourmi, eh oui, Joseph franchement aussi, Edinax le fauteuil, Hilary qui nous dit formidable, chanson très très intéressante de Stromae, formidable, Yanarte la fatigue, Yesero une fille, Sundar un fauteuil aussi, Victoria Jacques froid. Eh bien, s'il fait froid, vous pouvez faire des belles choses avec des fleurs et de la glace. Et Annabelle Nouvelle qui nous dit « Oh, fruits de mer, ça c'est délicieux !» Alors, Docteur Homer qui nous dit, bonjour notre grand professeur. Alors, je ne suis pas grand déjà par la taille et par ma connaissance. Non, je ne suis pas grand du tout, mais c'est très gentil de votre part. Merci Docteur Homer. Alors, la citation du jour. La citation du jour, eh bien, c'est quelqu'un qu'on a l'habitude de voir ici, c'est Coco Chanel. Et Coco Chanel nous dit « La beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même. » La beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors encore une fois, si vous arrivez, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton like, ce serait très très gentil. Nous avons atteint les 100 likes. Bien sûr, je suis un homme heureux, mais, si on peut en avoir plus, eh ben pourquoi pas finalement. Alors, c'est Victoria Jacques qui est très, très, très réactive aujourd'hui. Elle a probablement bien dormi. Elle nous dit « Oui, je suis d'accord ». Si on est soi-même, eh bien, on est tous beaux. Et ça, c'est formidable. Luciana qui nous dit « J'ai adoré cette citation ». Moi, je la trouve très, très bien, justement, parce que finalement, on est tous beaux.
Alors Viviane qui pense que, eh bien, la beauté, c'est être ou être original, d'accord ? Alors, attention à Ice Cube, ce qu'il nous dit, c'est très vrai, mais aussi fait commencer cette question philosophique, qui suis-je vraiment ? Alors ça, j'ai remarqué, hein, Ice Cube, c'est la spécialiste. Vous posez une question et Ice Cube, elle répond par une autre question. Et ça, c'est très intelligent. Qui suis-je vraiment ? Ah, ben ça, c'est une autre question. Hein. Mélissa qui nous dit, bien sûr, chacun a ses particularités qui le rendent beau ou belle. N70 qui dit, je suis d'accord avec cette citation, chacun a sa propre beauté. Albouga qui dit, ben bien sûr, c'est la vérité. Bickert qui nous dit, oui, le plus important dans la vie est à chaque moment de pouvoir être nous-mêmes. Amira qui dit, je suis d'accord avec elle, chacun est beau à sa façon. Victoria Jacques qui nous dit, je suis toujours fatigué, mais je n'ai pas à être dans une réunion ennuyeuse. Ah oui, mais maintenant avec le télétravail, les réunions ennuyeuses, est-ce que vous êtes obligé de montrer votre vidéo ? Parce qu'on peut faire des choses après, on peut faire autre chose. Cosmina, oui, c'est vrai. Je ne suis pas subjectif parce que j'adore Coco Chanel. Quand vous êtes vous-même, vous êtes détendu et cet état de choses se voit sur votre visage. Ensuite, Yossi qui nous dit c'est vrai, mais on peut discuter. On peut toujours discuter et c'est ça la beauté. La beauté de la vie, c'est de pouvoir discuter, respecter les opinions des autres, débattre. Moi, j'aime bien ça. Curiosidades, je pense que c'est vrai. La beauté n'est pas seulement quelque chose de superficiel. La beauté a de nombreuses significations. La vraie beauté, continue Curiosidades, c'est de se sentir bien dans sa peau. Nous devons apprécier qui nous sommes parce que chaque personne est spéciale et que nous sommes tous différents. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup, Curiosidades. Aimerait qui nous dit « La beauté est variable. C'est différent pour chaque personne. Mais bien que vous soyez jolie, vous ne pouvez pas être attirante si vous n'êtes pas vous-même. » Selon moi, merci. Omar, je pense que... je pense que être nous-mêmes, plus de devenir beau ou non, c'est une question de personnalité. Stardust qui dit, c'est l'une des plus belles phrases que Coco Chanel ait jamais dites. Et si vrai. Ah ben, on ne sait pas. J'en ai d'autres des phrases de Coco Chanel. Stardust, attention. Yann Arte qui dit magnifique. Merci beaucoup en tout cas. Alors aujourd'hui, j'ai pensé que ça pourrait être sympa de faire des dictées, mais avec des citations. Hein, comme ça, ça évite de faire des choses soit sur l'actualité, soit sur ma vie. Ça change un petit peu, c'est plus simple. Par contre, je n'ai pas mis les noms des personnes qui ont fait ces citations-là. C'est pas très très grave. Hein. L'idée, c'est vraiment de travailler. Alors une seconde, j'essaye de les trouver. Voilà. On y va, on attaque avec la première. Je vais la lire deux fois, comme d'habitude. La vie nous réserve un avenir incertain, alors que la mort nous offre son contraire. La vie nous réserve un avenir incertain alors que la mort nous offre son contraire. Écrivez la phrase, s'il vous plaît.
Alors, ça commence à arriver. Regardons ensemble cette phrase. Eh bien, bon, alors, le début, normalement, ça n'est pas problématique. Je regarde en même temps ce que vous écrivez, bien sûr. Donc, la vie nous réserve. Donc, le verbe, c'est réserver. Réserver premier groupe, troisième personne du singulier. Donc, ça n'est pas problématique. Un avenir, pour l'instant, c'est relativement clair. Attention, incertain. Je remarque qu'il y a quelques erreurs sur incertain. Souvenez-vous que, eh bien, l'adjectif, c'est certain, d'accord, et que le préfixe un, in, ou im, dans certaines possibilités, va tout simplement exprimer le contraire. Certain, incertain, in. Si vous avez des adjectifs qui commencent avec un p, par exemple, possible, dans ce cas-là, ce sera im, mais la même sonorité, impossible. Certain, incertain, possible, impossible. Donc, incertain. Ensuite, alors, bah écoutez, il n'y a pas de problème, pas de problème. La mort nous offre. Faites attention, ça c'est intéressant. Le verbe, hein, c'est le verbe offrir. Faites bien attention, même s'il se termine en IR, ça n'est absolument pas un verbe du deuxième groupe. C'est un verbe du troisième groupe. Souvenez-vous, c'est comme ouvrir. Hein. Ouvrir, quand vous le conjuguez, j'ouvre. Offrir, si vous le conjuguez, vous allez dire j'offre. Et donc ici, nous offre la mort, troisième personne du singulier, O-F-F-R-E. Et puis son contraire, bah écoutez, logiquement, il n'y a pas de problème. Faites attention, contraire, hein, donc C-O-N-T-R-A-I-R-E. Son contraire. La vie nous réserve un avenir incertain, alors que la mort nous offre son contraire. Alors, Curiosidades qui nous dit « Nous sommes très philosophiques et réfléchis aujourd'hui ». Non, 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 Curiosidades, on a parlé de salade, on a parlé de choses différentes. C'est ça l'intérêt de la vie, on peut parler de choses différentes. Dans un cours, on n'est pas obligé uniquement de parler que de choses philosophiques, on peut parler de salade et de choses un petit peu plus légères. Allez, la deuxième, si vous voulez bien, regardez. Même chose, je vais la lire deux fois, elle est plus courte, d'accord ? La vie est une tragédie ponctuée de moments formidable. La vie est une tragédie ponctuée de moments formidables. Écrivez la phrase. Alors, je regarde, ça commence à arriver, ouais. Faites attention pour tragédie. Hein, tragédie, souvenez-vous qu'en français, on va l'écrire, alors premièrement, donc avec un G, mais surtout IE à la fin, d'accord ? Hein, souvenez-vous, les dits, hein, mélodie, tragédie, D-I-E. Donc, la vie est une tragédie. Alors, ponctué, ça c'est important, ponctué, eh bien comme il est connecté directement à vie, on doit marquer le féminin à ponctué. Ça veut dire que vous allez marquer le E à la fin. On ne l'entend pas, mais vous devez quand même l'écrire. Ponctué, P-O-N-C-T-U-E, accent aigu, E. D'accord, ponctué. Et après, moment, en général, ça n'est pas problématique. Ici, c'est pluriel.
hein, c'est pluriel, parce qu'il y en a plusieurs. Et donc votre adjectif formidable doit aussi être au pluriel. La vie est une tragédie ponctuée de moments formidables. Allez, la troisième, j'espère que vous ne me détestez pas trop, c'est des citations. Ça n'est pas de moi, c'est d'autres personnes qui l'ont dit. Allez, on attaque avec la troisième, et la troisième, elle est aussi assez courte. Le sens de notre vie est dans chaque action positive. Le sens de notre vie est dans chaque action positive. Écrivez la phrase. Alors, je regarde ce que vous écrivez. Alors, la première chose, donc le sens, hein, souvenez-vous, on l'écrit S-E-N-S, d'accord ? Bon, après, notre vie, bon, globalement, il n'y a pas de problème, c'est bien écrit. Souvenez-vous que vie, on l'écrit V-I-E. Après, est dans chaque action. Donc, automatiquement, c'est au singulier, donc chaque, C-H-A-Q-U-E. Action, aussi au singulier, ça c'est relativement facile à écrire, A-C-T-I-O-N, et faites attention, positive, on va le mettre au féminin parce que action c'est féminin, une action. Donc une action, votre adjectif doit être au féminin, positive, v. Alors faites attention, Edinax qui dit l'essence, non. Non, c'est vraiment différent. Hein. Bon, après, on pourrait décider de dire ça, mais ça, c'est pas la citation. Phonétiquement, si je lis comme vous le voyez à votre écran ici, je le prononce le sens. D'accord. Si je le prononce comme vous l'avez écrit, je vais le prononcer avec un E très très ouvert. L'essence, le sens, l'essence, c'est relativement différent, d'accord ? C'est juste pour répondre à votre question. Et on continue. Sundar, positif, positif, quelle est la différence ? C'est un adjectif, la différence c'est le genre, féminin ou masculin. Positif, ce sera un adjectif qui va être avec un mot masculin. Positive, ce sera le même adjectif, mais avec un mot féminin. Alors, Edinac, parce que vous avez prononcé le S. Oui, je l'ai prononcé parce que on doit le prononcer. Dans ce mot-là, on doit le prononcer. Le sens. Parce que si je ne le prononce pas, le sang, c'est ce que je vais couper et ce qui va arriver. Faites très attention. Le sang, c'est quand je le coupe et ça coule. Vous l'écrivez, Edinax, S-A-N-G. Faites bien attention, et c'est ça qui est très fondamental. Le sang, quand je l'entends comme ça, je sais que c'est ce qui va sortir de mon corps, qui est rouge. Et le sens, S-E-N-S, c'est différent. Voilà. Allez, c'est la quatrième citation. Attention, attention. Dans le jeu de la vie, virgule, les difficultés
permettent d'accéder au niveau suivant. Dans le jeu de la vie, virgule, les difficultés permettent d'accéder au niveau suivant. Écrivez la phrase. Alors, je vois que ça commence à arriver. Alors, faites attention avec le premier. Oui. Donc, dans le jeu de la vie. Jeu, ici, c'est au singulier. Faites attention. Donc, on va l'écrire J-E-U. Hein. Quand vous le mettez avec le X, c'est le pluriel, les jeux. J-E-U-X, qu'on ne prononce pas. Donc ici, c'est vraiment le, c'est-à-dire le singulier, le jeu de la vie. Les difficultés. Alors je regarde, globalement c'est bien écrit. Idéalement, si vous avez l'accent aigu sur votre clavier, mettez l'accent aigu. Attention, Hen70, j'ai bien prononcé le pluriel. Hein. Faites attention. Alors Hen70, la difficulté, et moi j'ai prononcé les difficultés. D'accord ? Un tout petit peu, une toute petite différence. Le verbe permettre, alors donc c'est le verbe permettre, nous sommes d'accord, troisième personne du pluriel. Donc c'est comme le verbe mettre. Je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez, ils mettent. M-E-T-T-E-N-T. Donc ça veut dire que tous les autres verbes qui vont être construits sur la base de mettre, permettre, admettre, etc., eh bien ça va être conjugué pareil. Donc permettre, P-E-R-M-E-T-T-E-N-T. Alors, permettre de faire quelque chose. Permettre, on va l'utiliser avec la préposition de, quand vous le construisez avec un autre verbe. De accéder. E et A, le E va bien sûr disparaître et vous mettez l'apostrophe. D'accéder au niveau suivant. Suivant ici, ce sera au masculin parce que niveau, c'est masculin. D'accord. Dans le jeu de la vie, virgule, les difficultés permettent d'accéder au niveau suivant. Ça, c'est quelque chose qui plairait à Nicolas. Avec les jeux vidéo, je pense qu'il aimerait bien ça. Cinquième. Allez, un petit peu de trompette pour se motiver, pour finir avec ces citations. Et on y va. Ça, c'est une citation de Picasso. Les autres, j'ai oublié. Efface le gris de la vie et allume les couleurs que tu possèdes à l'intérieur.
efface le gris de la vie et allume les couleurs que tu possèdes à l'intérieur. Allez-y. Alors là, si on regarde ensemble, eh bien regardez, le premier, eh bien c'est le verbe effacer. Le verbe effacer est un verbe régulier du premier groupe. Et ici, on l'utilise, comme vous remarquez, on l'utilise sans pronom personnel. Donc ça veut dire que finalement, c'est ici un impératif. Et l'impératif, souvenez-vous, on va le faire rapidement, mais l'impératif pour les verbes réguliers, pour la première personne de l'impératif, c'est-à-dire « tu », eh bien le « s » disparaît. Donc on écrit « efface » sans le « s ».« Efface le gris de la vie ». Bon, ça je regarde, c'est bien écrit, donc c'est pas la peine d'en parler. Et « allume », même chose. On est toujours dans l'impératif, deuxième personne, hein, c'est tu, première personne pour l'impératif, donc pas de S. Allume, A-L-L-U-M-E. Après ça, bah c'est le pluriel. Le pluriel, donc c'est les couleurs. C'est toujours un petit peu difficile hein, d'entendre le pluriel. C'est une erreur assez classique pour certaines personnes. Ne vous inquiétez pas, c'est juste une question de temps. Je n'ai pas prononcé « la couleur », j'ai prononcé le pluriel « les », donc c'est vraiment ouvert, « et, les couleurs ». Vous n'entendez pas le pluriel pour « couleur » parce que c'est un « s », mais en tout cas c'était le pluriel « les », L-E-S, « couleurs », avec le « s » à la fin. « Que tu possèdes », verbe « posséder », attention. Maintenant, c'est du présent. Tu possèdes, là vous mettez le S à la fin. Et puis après, c'était à l'intérieur. Et ça, apparemment, c'est bon. Efface le gris de la vie et allume les couleurs que tu possèdes à l'intérieur. Celle-là, elle est vraiment, vraiment chouette. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette citation. Et c'est une citation de Pablo Picasso. Et je dis bravo, Pablo. Alors Edinax qui demande c'est l'impératif, oui, c'était l'impératif, mais donc les deux premiers étaient à l'impératif. Impératif, souvenez-vous, verbe régulier, le S, il disparaît pour la première personne, c'est-à-dire pour le tu de l'impératif. Retour en arrière. Retour en arrière, on en a parlé de ça. Des fois c'est bien de regarder derrière. Parce que si on regarde derrière, eh bien regardez. Si vous pouviez revivre une période de votre vie, quelle période
choisiriez-vous ? Si c'était possible, j'arrive avec ma baguette magique et je vous donne la possibilité de revivre une période de votre vie. Quelle période choisiriez-vous ? Prenez le temps de m'écrire une petite phrase. Merci beaucoup. Alors je ne sais pas s'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées, qui n'ont pas eu l'occasion de cliquer sur le like pendant que tout le monde est en train d'écrire. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton, ça me ferait très 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 plaisir. Merci beaucoup. Allez, Sundar nous quitte et nous retrouve lundi. Bon dimanche Sundar, profitez de la vie. Alors, Luciana qui nous dit qu'elle préférerait choisir la période quand sa famille était au complet. Bah oui, j'imagine que c'est... Bah oui, on est tous pareils. Hein. Curiosidades, ma naissance, parce que je suis fier d'être moi-même et de profiter des belles choses de ma vie. Et ben ça, c'est très très bien. Ça doit être bizarre. Imaginez, Curiosidades... Vous voyez naître, ça doit être très étrange comme sensation. Edinax qui nous dit « Je revivrai volontiers mes années universitaires à Florence ». Très bien, JM qui nous dit « Thank you for giving us your time from Lebanon ». So, yeah, I'm really pleased for that. Remember that on Monday it will be in English and in French. Right now it's only in French, but then if you want to have the two, it's twice per week, okay? But then the others, the lessons, they are only in French. Voilà, but it's my pleasure. It's my pleasure to help. Annabelle, aucun, parce que chaque période s'unit pour l'agrandir, la grandeur de la fin. Très bien, Annabelle. Annabelle, vous ne voulez pas regarder derrière? Et c'est normal, personne n'est obligé de se retourner. Bickert, je suis sûr que je choisirais la période à l'université à Istanbul, et ainsi j'étais plus jeune. Ah, ben on était tous plus jeunes, c'est vrai. N70, mon enfance. Renato Silva, je voudrais revivre la période de l'adolescence. Ça, c'est une période intéressante. Yossi, je choisirais une période de l'enfance et puis on aurait continué. Anna Kobi qui nous dit « Je choisirais mon enfance ». C'est vrai qu'on a envie de revivre l'enfance. L'enfance, l'innocence, ça c'est formidable, c'est incroyable. Stardust, je choisirais cette fois où je vivais seul avec ma fille. C'était un moment très agréable et j'aime me souvenir, nous nous sommes beaucoup amusés. Ça c'est vrai, quand on est seul avec ses enfants... C'est bizarre, mais c'est sympa. Hein, Hilary, je choisirais la période quand j'étais une étudiante à l'université. Victoria, je ne suis pas sûr. Si je pouvais, je choisirais quand j'avais la fin de la vingtaine. Quel bon moment. Ah ben oui. Une période sympa, ça. La vingtaine, c'est une période qui est assez légère. Cosmina, si c'était possible de revivre une période de ma vie, ce serait la période quand j'avais entre 5 et 12 balais. On ne l'a pas vu encore, balais. Ou peut-être qu'on l'a vu, mais en tout cas, merci pour l'introduire. J'avais beaucoup de confiance en moi et j'étais un vrai lutin aventureux. Faites attention, Cosmina.
Quand vous me parlez, je suis français, mais vous savez que j'habite dans le sud de la Finlande. Les lutins, ici, ça rigole pas. On sait exactement qui sont les lutins. Cassandra, je voudrais choisir la période pendant laquelle j'étais enfant et mes grands-parents vivaient. Ah ouais, ça c'est sympa. Les grands-parents, il y a quelques... Il y a une sorte de transmission incroyable avec les grands-parents. Yann Arte, je voudrais revivre quand j'étais à l'université. Omar, si je pouvais revivre une période de ma vie, je choisirais les années avant la quarantaine. Je n'avais aucune douleur. Mais Omar, ça c'est le tennis. Omar, moi, je fais du badminton avec mes amis. Et le badminton, c'est très violent physiquement. Et mon Dieu, oh, quand je joue, maintenant, la période de récupération, c'est très très long. Avant 40, pouf, c'était facile. Victoria Possé, je ne sais pas très bien laquelle je choisirais. Cheryline, je choisirais de revivre les jours de ma licence, avant d'avoir à m'occuper de la politique en milieu de travail dans le milieu universitaire. C'est vrai, il faut pas toucher à ça. On croit que c'est bien, mais c'est pas bien. Kang, je voudrais revivre mon enfance, car c'est la plus belle période. Vouslat, alors, et toi Vincent, la même chose. L'enfance est tellement précieux. L'innocence, je trouve que c'est incroyable. L'innocence est formidable. Et après, quelque chose se passe. On réalise que c'est pas aussi simple. Vouslat, si je pouvais revivre une période de ma vie, je choisirais le passé proche avant la pandémie. C'est vrai que c'était complètement différent. Mélissa Madrid, je serais dans la période de l'adolescence. C'est dans cette période où j'ai vécu intensément. Bah oui. Et Albouga, attention, c'est difficile à dire. Parce que l'idée est au contraire de ma vue de la vie. Albouga regarde vers l'avant. Et ça, c'est une qualité. C'est une grande qualité. Albouga ne veut pas regarder derrière. Et ça, il faut le respecter. Merci beaucoup. Allez, à vous la parole, et bien regardez, c'est une question qui n'est pas... Curiosidades disait, oh, aujourd'hui, il y a vraiment des questions philosophiques, on a parlé de la salade, et là, regardez, est-ce que vous aimez les chapeaux? Oui, non, pourquoi? Une phrase. Alors, je ne sais pas. Ah, c'est Yessero, hein. Je pensais que les gens ne savaient pas trop. Yessero qui nous dit oui, parce que les chapeaux sont essentiels pour les hommes chauves comme moi. Et Yessero, regardez. Personnellement, j'ai beaucoup de cheveux, donc... Peut-être que c'est ça la technique. J'ai du mal avec les chapeaux personnellement. Mélissa Madrid qui nous dit « Les chapeaux, je les adore et je les porte souvent en été. » N70, oui, parce qu'ils gardent la tête au chaud.
Ice Cubes qui dit oui, mais juste à cause du mignon garçon, je ne l'achèterai pas. Mais vous ne savez pas, Ice Cubes, on ne sait jamais. Cassandra, oui, j'aime les chapeaux, ils me font paraître cool et élégant. Ben ça, c'est important. Bickert, et moi, parfois j'aime les chapeaux, mais je ne les porte pas. Victoria Jacques qui dit oui, le chapeau est très chic. Ah ben alors là. La déclaration du jour. Oui, le chapeau est très chic. Ça, c'est pas mal. Hillary qui dit non. Les chapeaux vont me décoiffer. Je le comprends très bien. J'ai le même problème, Hillary. Luciana, oui, parce que les chapeaux donc viennent de votre père, peut-être, ou vous rappellent votre père, peut-être. Angel, c'est quoi chapeau? Is that hat? Oui, c'est chapeau. C'est un chapeau, it's a hat. Curiosidades, les chapeaux représentent la culture de la mode et de la beauté. J'aime les chapeaux. Annabelle Nouvelle qui nous dit oui, parce que ça aide les jours sans maquillage. Ah donc vous choisissez, Annabelle, vous choisissez maquillage ou chapeau ou les deux. Et alors si c'est les deux, là, incroyable. Stardust, non, je n'aime pas les chapeaux. Les porter tout le temps n'est pas bon pour les cheveux. Et je n'ai pas porté de chapeau. Malheureusement ou heureusement, je ne sais plus. Victoria Possé, j'aime beaucoup les chapeaux parce que je les trouve élégants. Yossi, oui, j'aime les chapeaux seulement quand il faut les porter, quand il fait froid ou qu'il fait du vent. Joseph, je ne les aime pas parce que j'ai une grosse tête et je ne peux pas trouver un chapeau qui correspond à ma tête. C'est vrai, moi je suis d'accord, Joseph. Je suis comme vous, je pose un chapeau, j'ai l'impression que je me dis que c'est pas pour moi. Yann Arte, où il fait froid, c'est nécessaire de porter un chapeau. Renato, oui, parce que les cheveux, je n'ai pas de cheveux, ben, comme moi, et donc je protège mes conditions climatiques. Cosmina qui nous dit oui. J'aime les chapeaux, même s'ils sont un peu démodés ou leur utilisation est restreinte aux noces royales. Ensuite, alors attendez, je regarde. Edinax qui dit « J'aime beaucoup porter les chapeaux car ils aident à compléter mon style. » C'est un accessoire, effectivement. Omar qui nous dit « J'aime les chapeaux pour protéger la tête. » Pendant l'été, ça peut protéger du soleil également. On a parlé du froid, mais du soleil également. Angel qui nous dit « J'utilise les chapeaux pour le soleil ». Ben voilà, justement. Vouslat qui dit « Oui, j'aime beaucoup les chapeaux car on se sent chic avec les chapeaux ». Cheryline, si nous parlons de mode, ça dépend du type de chapeau. Mais si nous parlons de praticité, c'est indispensable en Australie où nous avons souvent des journées chaudes et ensoleillées avec de forts UV. Ah ben oui, et puis les animaux. Les animaux dangereux, peut-être qu'avec un chapeau, ça protège des animaux dangereux, on ne sait pas. Victoria Jacques qui nous dit « Un chapeau est un masque qui me rend invisible ». Bickert qui nous dit « Porter un chapeau déforme la forme de vos cheveux pour les femmes ». Allez, je vous propose la meilleure méthode. Eh bien voilà, essayez de me trouver si vous la connaissez. Et là, curiosidades, c'est pas philosophique du tout. À votre avis, quelle est la meilleure méthode pour couper des oignons sans pleurer? Quelle est la meilleure méthode pour couper des oignons sans pleurer? Une phrase.
Alors, je commence à regarder, je trouve que c'est formidable. Donc, Cosmina Bellou qui est en première position et qui nous dit « C'est simple, c'est simple !» Elle nous dit « Avec de l'eau à proximité. » Bon, en même temps, c'est... Bon, il faudrait peut-être donner des détails, hein, Cosmina, parce que c'est un petit peu approximatif. Mais bon, Bickert qui nous dit « Tout le monde dit qu'on doit ouvrir le robinet. » D'accord, mais alors à côté, on touche, qu'est-ce qu'on fait ? Hillary qui nous dit « Porter des lunettes, c'est simple. » Edinax qui nous dit « C'est de porter des lunettes et après, il n'y a pas de problème, ce sera clair. » Victoria Posse qui nous dit « Je pense qu'il n'y a pas de méthode, tout le monde pleure. » Victoria Posse, elle est comme moi. Elle essaye, mais au final, on pleure, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Yossi qui nous dit « Prendre de l'eau dans la bouche ? » Waouh ! Alors ça, Yossi, je vais tester. Juste pour le plaisir de tester. De l'eau dans la bouche ? Et après, on coupe. Ça pourrait être intéressant. Sophia X qui nous dit « Porter des lunettes ». Eh ben voilà. Mélissa Madrid, « Il ne faut pas les laver avant ». Hein ? Cosmina qui dit « L'eau permet en effet de limiter l'évaporation des substances volatiles irritantes pour nos yeux. » Annabelle Nouvelle qui nous dit « Appliquer du citron sur l'oignon. » Ça, c'est intéressant. Ice Cubes, elle est comme Victoria Posse, comme moi. Mais vraiment, ça existe ? Ah, sur Ice Cube, ça allait comme Victoria Posse ou moi, on pleure quand on coupe les oignons. Luciana, la meilleure méthode pour couper les oignons sans pleurer est de mettre, mettre les oignons dans l'eau avant de les couper. Mais ça, c'est intéressant. Ensuite, Renato qui nous dit « baigner les yeux avec de l'eau ». Ah, donc, vous mettez de l'eau sur les yeux, en fait. Cassandra qui dit « je porte des lunettes ». Victoria Jacques qui nous dit « je ne sais pas, mais j'aimerais savoir porter des lunettes de natation ». Ça, c'est formidable. Imaginez, Victoria, des lunettes de natation ou peut-être avec le matériel et le tuba. Ça pourrait être sympathique. Couper les oignons avec un tuba et avec un masque. Yesero, je l'ai trouvé, porter des lunettes de protection. Curiosidades, la meilleure, alors donc la méthode qui me sert le mieux est de mettre deux verres d'eau, alors ça c'est intéressant, à côté des oignons pour que l'eau absorbe les produits chimiques. Ah donc, Curiosidades, c'est un petit peu la même technique que la même explication que Cosmina. Donc, l'eau absorbe les produits chimiques qui nous font pleurer et ou de mettre des verres transparents, d'accord. N70, personnellement, la meilleure méthode est de mettre une cuillère dans votre bouche. Oh, je vais tester. Je vais tester Yossi avec l'eau dans la bouche et je vais tester N70 avec la cuillère dans la bouche. Ça, c'est formidable. Omar, couper des oignons sans pleurer est synonyme de pleurer, bien sûr. Peut-être que tu pourras utiliser des lunettes de sécurité, d'accord. Yann Arte, ferme les yeux. On va se couper. Je ne veux pas me couper. Stardust, éplucher les oignons ne me dérange pas du tout. Je n'ai aucun problème avec ça, même si je le coupe après, d'accord. Cherylyn, faites ça en laboratoire. Ah, il faut prendre un billet d'avion, il faut aller voir Cherylyn, il faut couper les oignons chez elle, revenir à la maison. Non, ça n'est pas raisonnable. Curiosidades, une bonne méthode consiste à mettre les oignons au congélateur pendant 7 minutes. Oh, c'est incroyable. Incroyable. Eh bien, je dis merci beaucoup. Allez, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci, c'était vraiment, vraiment, vraiment très, très sympathique. Je dois dire que je me suis bien amusé avec vous. Je pense qu'on a fait des choses assez intéressantes et en tout cas assez amusantes. Et c'est ça qui est très, très important dans la vie. Il faut prendre du plaisir, sinon ça ne sert à rien du tout. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, comme d'habitude. Ce sera en anglais et en français, comme d'habitude, et puis c'est à la même heure. Merci beaucoup, au revoir, bon dimanche, à bientôt.
Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer justement pour quelles raisons vous avez décidé d'enseigner le français? Alors, ce n'était pas mon décision comme ça, mais quand j'avais voulu apprendre une langue étrangère, on nous a dit que le français c'est le plus populaire. Alors j'ai choisi de apprendre le français. Oui. Et c'était le plus populaire, c'est-à-dire c'était avant l'anglais ou l'allemand ou l'espagnol, enfin est-ce que... Comme une langue étrangère, parce que on parle en Inde, on parle l'anglais, bien sûr, mais après l'anglais, c'était le français qui était le plus populaire comme une langue étrangère et beaucoup d'étudiants veulent apprendre le français, alors j'ai choisi apprendre le français moi-même, oui. D'accord. Actuellement, vous travaillez dans quel cadre ou dans quelle structure? Alors, maintenant, j'enseigne les étudiants de IBDP, c'est baccalauréat international. Alors, j'enseigne les étudiants de 11th and 12th, 11e et 12e. On les appelle DP, Diploma Programme, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants justement actuellement qui choisissent toujours le français? En Inde, on a beaucoup d'étudiants qui choisissent le français comme la langue troisième langue. Mais dans les écoles où on enseigne le IB, on a des étudiants qui prennent le français B. Ce sont les étudiants qui prennent le français ab initio, ce sont plus nombreux que les étudiants qui ont déjà fait le français B. Alors, on n'a pas beaucoup d'étudiants qui font le français B. Il y a peut-être, dans mon école, par exemple, on a 5 étudiants, 8 étudiants, c'est au maximum. Mais pour les étudiants, pour ab initio, on a presque 20 ou 25 étudiants chaque année, oui. D'accord. Vous avez, enfin, quelle est la tendance générale quant au choix du français? Est-ce que c'est toujours aussi populaire? C'est moins populaire? C'est plus populaire? Il y a une tendance quand même? OK. Dans cette école où je travaille maintenant, au présent, c'est nécessaire qu'ils choisissent le hindi, mais les autres qui ne veulent pas choisir hindi et ils veulent aller dans une. Qui veulent aller à l'étranger ou qui veulent faire une langue étrangère, ils choisissent le français. Mais en Inde, par exemple, moi, j'ai enseigné le français comme un prof de CBSE. Là, on a beaucoup d'étudiants qui choisissent la langue, la troisième langue. Et on a aussi beaucoup d'étudiants qui prennent la langue française comme la deuxième langue. Oui, c'est très populaire et surtout dans les villes. D'accord. Est-ce que ça veut dire que finalement ça s'arrête au bac ou est-ce qu'après, enfin, est-ce qu'il y a des gens qui continuent avec le français ou Alors, rarement? oui, c'est seulement à l'école qu'on apprend. Il y a, on n'a pas beaucoup de cours, beaucoup de programmes de français. Alors, on a de l'alliance. Il y a des étudiants qui enseignent, qui apprennent les langues pour business, pour faire des DELF et DELF. Mais à l'école, on a seulement pour les étudiants qui font leur école et c'est ça. Après ça, à l'université, on n'a pas beaucoup d'étudiants qui font le français. Oui. D'accord. En général, quand vous êtes en classe avec vos élèves, quels sont les clichés que vous pouvez entendre ou les images qu'ils ont sur la Il y France a et sur les Français, oui?
Il n'y a pas beaucoup de clichés parce que on ne sait beaucoup sur la culture française ou on ne sait parce que on a vu les Français comme les touristes peut-être. Et si on a eu la chance à Pondichéry, il y a quelques familles françaises et il y a des gens qui parlent en français, mais on n'a pas des clichés aux écoles. Peut-être à l'Alliance, on a des étudiants et on voit beaucoup de profs qui sont français, qui sont natifs aussi peut-être. Alors là, je ne sais pas, mais à l'école, parce qu'il ne connaît pas beaucoup de gens et il ne connaît pas beaucoup de la langue ou de la culture, on n'a pas beaucoup de clichés. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont avides de découvrir la France quand vous, est-ce que vous montrez des choses et il y a une surprise ou est-ce que finalement ils ne sont pas très très surpris par ce qu'ils voient? Ah oui, pour les étudiants, on a les petits-enfants, ils sont très, comment dire, ils veulent savoir beaucoup de choses, ce qu'ils ont fait en France et tout ça. Mais comme les adolescents, ils n'ont pas plus intéressé, c'est seulement, oh, vous devez, je dois apprendre et alors j'apprends ça. C'est pour compléter mon portion et pour faire mes épreuves, c'est ça. C'est alors, pour les adolescents, il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme, mais pour les petits-enfants, il y a beaucoup de choses. Ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe là. Et maintenant, parce qu'on a la technologie, on a beaucoup de chance et on utilise les vidéos, on utilise des textes qui sont vraiment authentiques. Mais quand j'avais commencé à enseigner, il n'y avait du tout les ressources. On avait seulement un ou deux livres et c'était la même ressource qu'on a utilisée. Mais maintenant, à ce moment, on a beaucoup de choses à utiliser et à leur donner aussi aux étudiants. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment que le français est une langue difficile à enseigner ou difficile à apprendre pour vos étudiants? Ok, alors ça c'est un peu intéressant peut-être parce que les langues indiennes et le français, il y a beaucoup de similarités. La grammaire, les notions de grammaire, ce sont pareilles aux langues indiennes. Par exemple, quand j'enseigne mon mamé, ton tate, j'utilise hindi et j'utilise les langues indiennes et je leur demande pensez dans votre langue maternelle parce que c'est facile à comprendre. Mais c'est difficile aussi parce que la plupart des enfants, ils pensent en anglais et ils traduisent toutes les phrases, les idées et tout ça. Ils veulent traduire parce que ici, on pense que on doit être toujours correct. On ne peut pas faire des phrases qui ne sont pas correctes. Et ça, c'est un peu peut-être, et à cause de ça, ils ne veulent pas parler. Ça, c'est un peu difficile, oui. Donc ça veut dire que l'écrit est beaucoup plus facile ou naturel pour eux parce qu'il y a le temps de la réflexion, parce qu'on peut... Oui, d'accord. Oui, oui. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au niveau de la phonétique, c'est-à-dire est-ce que c'est difficile ou est-ce qu'en général, il n'y a pas de problème? C'est-à-dire, est-ce qu'ils apprennent assez facilement à prononcer? Aussi, encore une fois, la prononciation de R, ça, c'est un peu difficile pour les étudiants. Mais sinon, les autres sons, ce n'est pas un problème parce que nous aussi, en Inde, on a beaucoup de consonants et des voyelles. Alors, il y a beaucoup de similarités. On est pareil à beaucoup de choses. Oui, ça, c'est facile. Mais le son R, ça, c'est plus difficile pour les étudiants. Oui.
Quelle est votre technique pour essayer de leur enseigner ce son-là? Alors, je leur demande de faire, par exemple, s'ils mangent quelque chose et ils jettent par terre, alors je leur dis, alors vous devez faire cet geste. Alors j'ai dit, d'où tout. Alors quand vous avez, il faut prononcer de ici. Et maintenant, après, my name is Khan. Alors je leur dis, alors est-ce que vous rappelez Monsieur Shahrukh Khan? Alors il a dit épiglottis, alors R. Mais il essaye de faire des choses, mais quand on parle comme ça, il ne peut pas. Moi aussi, quelquefois, par exemple, quand je dis je parle, je ne peux pas dire je parle. Alors, ça prend un peu de temps, mais pour les étudiants, c'est très drôle. Oui. Est-ce que, alors je voulais vous poser la question justement, quel est le plus, pour vous, le plus grand défi enfin, que vous avez ou que vous avez eu en tant qu'enseignante? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est des choses qui sont des choses phonétiques ou c'est quoi finalement? Non, pour moi, faire parler mes étudiants en français, c'est la plus difficile. C'est un défi parce qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas parler parce qu'ils sont très conscients et ils pensent que non, peut-être je vais dire quelque chose qui n'a pas aucun sens. Alors, ça, c'est un peu difficile pour faire parler. Ça, c'est le grand défi, oui, pour moi. En fait, c'est quoi? C'est le regard de l'autre, c'est-à-dire le sentiment d'être jugé ou d'être considéré Oui, comme oui, oui, stupide ou de ne pas pouvoir oui. s'exprimer, c'est ça? Oui, parce qu'on a beaucoup de langues en Inde et chaque langue, ça c'est différent. Alors, on est multilingue déjà parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui parlent quatre langues, qui parlent trois langues au minimum, parce qu'anglais, hindi et puis la langue maternelle. Alors, trois langues au minimum, on parle, mais il y a beaucoup de choses comme on a des accents et ça aussi dépend sur les étudiants. Si les étudiants sont, ils ne sont pas de ma communauté, alors il y a la ridicule, il y a bullying et à cause de ça, ils sont très, ils pensent tout le temps que peut-être on va me juger. Alors c'est à cause de ça, je pense. Pas seulement dans la classe française, pas seulement quand j'enseigne le français, mais en général, on voit que ça, c'est un peu, c'est un issue, je pense que c'est un problème pour la génération maintenant, oui. Parce que finalement, donc ce serait plus culturel que véritablement linguistique, parce que plus on apprend de langue en général, plus on est tolérant par rapport à l'approximation. On sait que c'est pas toujours précis, mais c'est pas grave, on a l'habitude de ça. Mais donc là, c'est plus culturel, c'est-à-dire que l'idée de donner une image quand même de quelqu'un qui n'est pas stupide, finalement, c'est ça? Alors, et la dernière question, alors quel est votre meilleur souvenir d'enseignante? Alors, comme une enseignante, il y en a beaucoup, beaucoup de meilleurs moments, mais j'attends cette mémoire qui sera la meilleure, bien sûr, parce que quand les étudiants retournent, quand ils nous écrivent les mails et quand on rencontre, il y a beaucoup de moments comme ça, mais la meilleure, j'attends cet moment, oui. Attends, qu'il n'y en a pas encore. Oui, Vous voulez pas vous exprimer alors? Très bien. Bon bah écoutez, bah merci beaucoup. de rien. Learn French, learn today, learn for free, learn your way. Learn French with Vincent, let's go. The best French teacher on the low.
Learn French, learn today. Learn for free, learn your way. Learn French with Vincent, let's go. The best French teacher on the low. Learning French is simple and free. Learn French with Vincent, A to Z. Easy, fun, 1, 2, 3. Subscribe to the channel to support me. Students all around the world learning fast. Young to old, I am the best. Learning French is simple and free. Learn French with Vincent, A to Z. Learn French with Vincent today.